始めろ。人造魔人のデータを消毒。設計段階にはないデータを発見、解析します。データ解析完了。目的のものと思われる痕跡を確認。破損部位の修復も完了しました。青髪、再起動。神の禁じたナホビノとなる力か。どこの誰がもたらした力か知れぬが、その技我らのために使ってもらうぞ、兄弟。Il est l'heure d'aller au lycée. Hora, nake, sakebe!我が月を集めないと。次はどうかな。少年、お前は これ以上好き勝手はさせない。行こう、少年。あ、ウェイ。C'est comme ça que ça se passe. Ouais, évidemment. Qui est-ce que j'ai pour ça éventuellement ? Personne en fait, je crois.
J'ai celui-là, mais niveau 11, il va se faire ouvrir en deux, mon pote. Attends, qui je peux virer? Alors, elle fait quoi? Ouais, bof. Je sais plus si elle fait de la lumière. De toute façon, tant que ça va pas s'arrêter, ça va être compliqué. Ouais, fait de l'ombre. Est-ce que je soigne? J'hésite un peu. Je crois que j'ai pas trop le choix. C'est ça, on piche, mon pote. Bon, après, ça m'arrange pas trop. Hein. Parce que là, j'aurais bien voulu l'attaquer. Ça, c'était sûr. Ah, il y en a un qui a esquivé quand même. Je peux tenter, hein. C'est non. C'est non. Je pense qu'il va pas tarder à se réveiller en plus.
Oula. Là, ça sent pas bon pour moi. Bon, il y en a au moins 3 qui vont a priori survivre, on va voir. Ça va, j'ai pu faire une parade sur chacun. C'est ok. Contre-attaque. Ah zut. Qu'est-ce que ça fait Mirage déjà? Je sais pas. Ça réduit quand même son attaque. Est-ce que je sacrifie Pixie ou Jack aux lanternes ? Impeccable. Alors Zanma. Très bien ça. ナーマを退けたのは貴様か。 余計なことをしてくれる。だが、そうだな。奴を下した力量は認めよう。あやつはジョマの中でも特に血の気が多い。
一人先走ったのかもしれんの。ああ。となれば、奴らの残りがここに現れる可能性は低いか。ところでお主、こんなところで油を売っていていいのかい？東京を守護する結界が破壊されたようじゃ。悪魔どもがこちら側に入り込んでくるぞ。結界の場所は醸造寺の可能性が高い。少年、急いで向かうことを推奨。ベテルの天使どもでは相手にならんだろうな。気になるなら向かってみるといい。また会おうぞ。Très bien. Bon, déjà, on va remettre ça ici. Ah non, faut que je le raise avant. Je sais pas si je peux aller quelque part pour raise les bestioles là. On va peut-être faire l'autre quête là que j'ai laissé hier. C'est quoi déjà ça? Combat de Minato. Comme ça, ce sera fait. Je sais pas si je peux la faire maintenant, mais enfin, on va regarder hein, justement. Plus si c'est là ou là. Ya. Je vais faire une save. Ya. On pourra choisir entre deux modes de combat. Le mode original reproduit les combats contre des ennemis au même niveau que lorsque vous les avez battus. Ouais, ça me convient bien ça. Ah, mode défi, c'est bon. On verra plus tard ça. Par contre, j'aurais pas dû laisser le feu. C'est pas grave. Allez, bon dodo. Il va se réveiller déjà. C'est sûr que depuis on a progressé un petit peu quand même. Sirène, est-ce que... Voilà, toujours sa faiblesse. Qu'est-ce que j'ai en glace? Je crois que je l'ai viré en fait. J'ai celle-ci éventuellement. Ah, c'est comme ça. Oh, j'ai envie d'essayer un truc.
Tiens, il est pas totalement insensible à la confusion, ça m'étonne. New Charm. Allez. Je sais pas ce que ça fait le charme déjà. Il peut très bien passer son attaque comme ça, là. Allez hop, ça enchaîne. Ça peut pas toujours marcher. Là où ça va être complexe, ça va être en termes de PM, je pense, parce qu'on va enchaîner plusieurs combats. Bon, voilà quoi. Attends, c'est quoi tout ça? Ah, mais en fait, on a objet infini, genre. Là, ils sont brisés. Il y a des trucs auxquels on a accès. Enfin, c'est trop bizarre. Même ça, c'est quoi? Ok. Tu as abusé? Ah si, on va faire ça quand même, tout ça. Ça va être trop bien ça. Après, il y a quand même les deux autres. Il y a quand même une grosse différence. Hein. Oh les coquins. Pas de problème mon gars. Ah ouais, quand même.
Putain, on a même des gemmes de coup crit, quoi. C'est abusé. Les miroirs magiques aussi. Ah tiens, je m'étais trompé du coup l'autre jour. J'ai confondu ça avec un autre objet. Ça me plaît pas trop ce perso. Même Fortuna en fait, on va changer pour Jack aux lanternes. On va préparer le terrain pour le dernier combat. Hein. Je me demande même si je peux pas balancer la concentration tout de suite. Je vais peut-être le garder le buff, on verra. Quand même sur un autre niveau parce que ça fait pas longtemps hein. Et j'ai perdu le buff sur Jack Lantern. Je sais plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle balance des sorts d'ombre, elle. Non ? Je confonds. Parce que si elle fait ça à ce moment-là. Ah si, elle craint le vent, c'est pas fou. J'ai plus l'autre soigneur, donc il va falloir que je fasse 100. Ça me paraît un peu complexe, mais on va voir. Elle a tellement de points de vie, elle aussi. Ah,
Je vais peut-être garder le debuff quand même. Hein. Même si j'ai du crit là. C'est bien qu'elle puisse, qu'on puisse infliger plus de dégâts. Je pense que sur les deux tours suivants, ça en vaut la peine. Salut Nana, comment ça va? Ah, là c'est les emmerdes. En fait j'aime pas quand il y a ça parce que du coup on peut pas rafraîchir les buffs. C'est un vrai problème. Bon là ils vont rouler un moment. Enfin si on peut les rafraîchir mais c'est risqué. Oula là. Ça me fait mal là. Alors au choix, soit je fais ça pour un deuxième tour, mais je crois que c'est une mauvaise idée. Parce que c'est pas assez. Ça c'est bien. Ouais, ça va être dur de conserver tous les debuffs de toute façon. On peut peut-être conserver ces deux-là. Avec le Jack-O-Lantern, c'est facile de garder l'attaque réduite. Parce qu'il a ça. Ah, mais la différence qu'il y a quand je la debuff x2, c'est abusé. Est-ce que je claque le Magatsui? Non, pas maintenant. Je peux rafraîchir tous les debuffs, sauf l'attaque. Quoique, si, je peux. Comme ça, prochain tour... Non, j'aurais dû faire une concentration, je suis bête. C'est pas grave. Parce que là, en plus, j'ai plus les debuffs de mon côté. Ah oui, c'est vrai que c'est à moitié de ses points de vie. Bravo, tu as terminé la mission. Voici ta récompense. Bon bah ça c'est fait. Amulette du chaos vertueux. La réunion de deux démons d'alignement lumière-chaos permet d'utiliser la compétence Magatsui Marée Chaotique. 3 à 6 attaques d'absolu lourdes basées sur le niveau. C'est pas mal ça. Retire une icône d'action au prochain tour ennemi. Des fois ça peut être plus intéressant que le crit. Hein. Le crit ça permet surtout d'agir deux fois. Vous avez terminé une session de combat dans l'entraînement virtuel, on dirait. Les données fournies par vos efforts seront utiles pour nos recherches. Je vous remercie. Bethel ne serait guère en mesure de vous aider si vous n'étiez qu'un simple citoyen. Si vous n'étiez pas membre de l'organisation, il nous serait impossible de vous laisser utiliser ce type d'équipement.
J'ai sans doute trop insisté pour que vous rejoigniez Bethel, mais j'avais également en tête votre protection. Je voulais que vous le sachiez. À l'entrée du Parlement, vous trouverez d'autres chercheurs qui ont été envoyés investiguer l'Outre-Monde. Je vous suggère de leur parler, si vous en avez le temps. Je pense qu'ils apprécieraient beaucoup votre aide. Ah oui ? Alors les baumes, c'est pour des stats définitives. Oula, tout le monde veut me parler là. Je vois personne au Parlement qui veut me parler, mais bon, s'il le dit. C'était quoi l'autre quête? Normalement, j'ai terminé là. Enfin, j'ai terminé. Non, il y en a à faire, mais je sais pas où faut aller. Si quelqu'un a une idée pour ça, là, les Alphas et l'histoire du poème, je suis preneur. Je m'en souviens pas, en fait. Il me semble que cette quête existait déjà, mais voilà. On sauvegarde, on enchaîne. Et passage tellurique. Là, on va surtout débloquer la suite, en fait. Je sais même pas où je dois aller. Hé, oh. Hey, tu ne serais pas sick? C'est rare de te voir en dehors du lycée. T'es un vrai rat de bibliothèque, hein? Tu tombes à pic, j'ai besoin de quelqu'un de sérieux. Si t'as un peu de temps devant toi, j'aimerais que tu m'aides sur un quiz. Bah oui, j'ai que ça à foutre, c'est la fin du monde, mais tout va bien. Dites donc, tu perds pas de temps. Non, je blague. Merci beaucoup. Viens me parler dès que t'es prêt. Super, on va recevoir le quiz sur ce téléphone. Ensuite, je saisirai tes réponses. Qui est-ce qui envoie le quiz? Bah, on s'en fiche. Allez, première question. Ce démon, Anmoraki, est un oiseau monstrueux au visage humain. Quelle est sa forme initiale? Un oignon. On dirait que tu t'es trompé. Ah bon, pourtant, il ressemble à un oignon. Donc un oisillon. Ah bon? Non mais attends, faut que je regarde le démon en question parce que je dois me tromper, c'est pas possible. Est-ce que je peux le voir? Non. L'oignon fait la farce. Bonsoir Marvel. je peux pas aller voir, c'est chiant. Ouais, faudrait que j'aille voir le compendium. Je trouve pas que ça ressemble à un cadavre, mais peut-être que je l'ai mal regardé. Ah oh, bravo! Après deux erreurs. Le cadavre de ceux qui n'ont pas été commémorés comme il se doit deviennent des Anmoraki. C'est peut-être dans la description en fait du démon. Eh, tu t'en sors bien. Allez, on passe à la question suivante. Au sein de la hiérarchie des démons, comment s'appelle l'esprit malfaisant dont le mot démon est issu? Qu'est-ce que j'en sais moi? J'aurais dit papo démon, mais... Au sein de la hiérarchie. Non, c'est pas ça. Non, c'est dur son truc là, Agato. Putain, mais je vais me tromper sur tout en fait. Caco-démon. Au contraire, on dit des Agato-démons que ce sont des bons démons. Ça existe, hein? Bon, c'est la dernière, la troisième. Que faire pour chasser l'esprit amateur d'omelette? Eidvaras, de chez vous. Ouais, c'est vraiment dans les descriptions des monstres. L'Eidvaras, c'est l'espèce de petit dragon qu'on avait vu sur une route. Allumer une bougie. Et c'est une bonne réponse. Des bougies purifiées par l'église sont nécessaires pour chasser Eidvaras. Très bien, grâce à toi, on a répondu à toutes les questions. Eh, trop facile. Tu parles. Un bon démon est un démon mort. Ah non, c'est un démon qui nous rejoint. Bon, très bien.
En fait, c'est une membre du club d'occultisme qui m'a lancé ce défi. Je lui ai proposé un rencard, mais elle m'a dit qu'il fallait d'abord que je réponde à ses questions. Et maintenant que j'ai réussi, elle va devoir accepter. Ah ouais, elle a répondu. Je refuse de sortir avec quelqu'un qui triche. Hein, comment? D'où est-ce qu'elle regardait? Serait-ce de la clairvoyance? De la précognition? Le club d'occultisme est incroyable. Eh bien, peut-être que je devrais rejoindre aussi ce club, mais d'abord, direction la biblio pour étudier. Ouais, va faire tes devoirs. Par contre, c'est bien tout ça, mais il n'y a pas un moyen d'ouvrir une carte, là, pour voir s'il n'y a pas d'autres quêtes, parce que, mine de rien, on peut louper des trucs, là. On va avoir un master en occultisme japonais pour répondre. Mais pas seulement japonais, parce que les démons de ce jeu, ils sont pas tous japonais. Faut connaître tous les folklores, en fait. Bon, en gros, faut faire un tour à chaque fois de la ville, quoi. Après, je pense pas qu'il y en ait 50. On peut aller au lycée. Ah oui, c'est Jozoji. C'est où Jozoji? C'est là-bas, non? Non. C'est là. テルから助けが来ると聞いておる。主らがその援軍か。拙僧は五行と申す。以後お見知りおきよ。うん。初対面かと思うたが、主らの気配。そうか。 ヒュドラを買った少年である。醸造寺は東京にある重要な結界の一つで、ベテルに協力し、東京を霊的に支えてきた。だが、混沌の悪魔どもの襲撃により、ついに寺の結界が破られてしまった。結界を破ったのはラフム。 奴は悪魔を率いて上院学園へ向かっていった。主はラフムを追い学園へ向かうといい。 OK, comme ça, gratuitement. Salut Az. Comment ça va? Super, merci. Bon, très bien. Makai no kehai o kanchi. Akuma niyori gakuen ga shinshoku sareta yō da. もしかしてここを助けに来たの? そう、なら急いだ方がいい。学園内はひどい状況よ。襲撃の視界らしき悪魔がいたから、そこまで案内するわ。行こう、少年。我らの力ならできるはずだ。
Ouais, on enchaîne les boss là. À mon avis, avec cette séquence, la Switch, elle était sur les genoux. Un truc de ouf. Hop, 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 attends. C'est vrai que j'ai des potes à aller voir là. Sauf que... Je vais pas pouvoir ici. Le Menora du savoir. Oh. これはメノラと呼ばれし者。何故、汝にそれを渡すか。その運命を語ることを私は許されておらぬ。ただ、心せよ。それは汝に力か死をもたらすものだ。それを手にする者は Ouais. Matador m'attend, ouais. Bah, il va m'attendre un moment, hein. C'est bon, hein. J'ai pas envie d'aller le voir maintenant. Alors, est-ce que j'ai des miracles? Je prendrais bien une petite maîtrise physique. Où ça? C'est bien ça aussi. Pour récupérer quelques points quand la jauge elle est pleine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas ce qu'ils entendent par immobiliser. Est-ce que c'est genre un effet de statue? Je pense qu'on va prendre ça. Ah, ça, j'ai pas assez. J'ai mal fait mon calcul, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de réduire un petit peu le coût en PM des attaques physiques, puisque je fais que ça sur le Naobino pour le moment. Ça ressemble à un oignon, on est d'accord. Bon, un oignon et un poulet aussi. Mais quand même, voilà quoi. Mais voilà, un monstre japonais avec la forme d'un oiseau et le visage d'un homme. Pardon. En même temps, les statues sont immobiles. Oui, sort. Je pouvais peut-être faire une fusion. J'ai zappé. Une fusion Zou 2 ? Fusion. Tac, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Bah, pas ça en tout cas. Addead 29 en tout cas. Alors, je suis 22. 22, c'est déjà bien. La danse des moissons. Oh ! Récupération légère des points de vie pour un allié et augmente la défense de 2 rangs pendant 3 tours. Mais c'est sexy chocolat ça ! Craint le feu, évidemment. Ok. Ouais, après, ça me plaît pas trop ce que je vais virer. Ce qui m'intéresse, c'est Kikurime, mais il y a aussi celle-ci. Qui n'a pas de faiblesse, lumière et ombre. Contrairement à notre très cher. Bah, elle est pas là. Mais vous savez de qui je parle. Avec ça, ça me plaît bien. J'aurais plus de thunes, mais ça me plaît bien quand même. Alors, faudrait que j'attende concentration quand même. Du coup, j'attends un peu. Tu es de la branche japonaise, n'est-ce pas? Je garderai en sécurité les élèves qui réussiront à s'échapper. Toi cependant, tu dois t'aventurer à l'intérieur et sauver ceux qui sont retenus prisonniers par les démons. Si les choses tournent mal et que le sauvetage des élèves semble impossible, tu devras les éradiquer tous, comme les démons. Un Naobino tel que toi ne devrait pas avoir de mal à comprendre pourquoi.
J'ai eu si peur. J'ai bien cru que j'allais mourir. Attends, c'est pas fini, hein. Il y a encore des élèves à l'intérieur. Mais ces monstres, qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est un monstre. Ne la laissez pas m'attraper. Arg. Allez, en avant, c'est parti.